Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des effets de l'alcool sur la santé. Même si de nombreuses personnes considèrent l'alcool comme une boisson joyeuse, agréable et sociale, une consommation excessive ou chronique sur le long terme peut conduire à l'alcoolisme. Outre les problèmes de santé cognitifs que cela peut engendrer, la consommation chronique d'alcool peut entraîner la dépression et l'anxiété et avoir des effets négatifs sur l'apprentissage et la mémoire. Il est possible de devenir dépendant de l'alcool en raison d'un manque de contrôle sur sa consommation ou d'un désir de consommer davantage d'alcool pour obtenir le même effet qu'auparavant. Une consommation excessive de boissons alcoolisées a un impact négatif sur la vie de chacun. Tout dépend de votre consommation, de votre santé, de votre âge et d'autres facteurs. Quels sont les dangers de la consommation d'alcool? Parce que chaque personne est unique, les dangers de l'alcool varient d'une personne à l'autre. Certaines personnes ont du mal à ne pas abuser de l'alcool, tandis que d'autres peuvent en limiter la consommation. De nombreuses choses se produisent dans votre corps lorsque vous buvez de l'alcool. Certains de ces effets sont de courte durée, mais ils peuvent avoir un impact considérable sur votre bien-être physique et mental et votre qualité de vie au fil du temps. L'ampleur des dommages causés par l'alcool à votre organisme, vos habitudes de consommation et même la qualité de l'alcool jouent tous un rôle. La taille et la structure de votre corps, votre âge, vos antécédents en matière de consommation d'alcool, vos gènes, votre régime alimentaire, votre métabolisme et même votre milieu social ont tous un rôle à jouer. Les effets sur le cerveau. L'alcool modifie l'apparence et le fonctionnement du cerveau en interférant avec les voies de communication dans le cerveau. Il est difficile de penser clairement et de se déplacer avec coordination lorsque ces perturbations se produisent, et elles peuvent altérer l'humeur et le comportement. Les effets sur le cœur. Une consommation excessive d'alcool peut endommager le cœur, que ce soit sur une longue période ou un seul incident. Voici quelques dangers de l'alcool pour le cœur. La cardiomyopathie, terme utilisé pour décrire l'état du muscle cardiaque étiré et affaibli. Battement cardiaque irrégulier, appelé arythmie. Accident vasculaire cérébral, une pression artérielle anormalement élevée. Les effets sur le foie. La surconsommation d'alcool est mauvaise pour le foie et peut provoquer plusieurs problèmes et inflammations comme par exemple la stéose hépatique ou foie gras. Histoplamose alcoolique, fibrose, cirrhose. Les effets sur le pancréas. La consommation d'alcool entraîne la création par le pancréas de composés toxiques qui peuvent conduire à une pancréatite, une inflammation et un gonflement grave des vaisseaux sanguins du pancréas qui empêchent la digestion. L'alcool et le cancer. Plusieurs formes de cancer ont été liées à une consommation excessive d'alcool. Les personnes qui consomment trop d'alcool sont plus susceptibles de contracter un cancer lié à l'alcool, en particulier celles qui boivent beaucoup d'alcool quotidiennement. Un verre par jour pour les femmes et 5 ou plus pour les hommes suffisent à augmenter le risque de diverses tumeurs malignes, même chez ceux qui ne font pas de beuverie. Certains types de cancers ont été associés à un risque accru de consommation d'alcool. Les cancers de la cavité buccale, du pharynx et du larynx sont tous des exemples de tumeurs malignes de la tête et du cou. En outre, la consommation d'alcool augmente le risque de carcinome épidermoïde œsophagien chez les personnes présentant un déficit d'une enzyme qui dégrade l'alcool.